Bonsoir. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir. Bonsoir, on est à Lausuel. Bonsoir Lucette. Bonsoir Rodolphe. On est chez. Bonsoir Théâtre Martinique. Merci, on est chez toi, là, à Lausuel. Ouais. À Schœlcher, enfin Interville, à Schœlcher. Oui. Avec Jeanne. Bonsoir Jeanne et Rudy. Bonsoir. Alors j'ai vu un petit bout là, vous êtes en plein filage du prochain projet. C'est jeudi, vendredi, c'est ça? Ouais, le 14 et le 15 à 20 h. À 20 h ici même. Ici même. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de spectacle, on va dire, pour les grands. Disons que ça va être l'innovation de cette année. Ouais. Ensuite, on va redémarrer sur Traversée et puis on va reprendre, on va faire un petit récapitulatif sur les productions du Flamboyant. On va essayer d'en présenter une chaque année. Donc, puis comme parce que le Flamboyant travaille avec le tout public, hein, c'est Lazuel qui est sur le jeune public. Oui. Donc voilà, donc on va ouvrir des espaces de plus en plus pour le tout public. Le flamboyant, c'est la compagnie théâtre et la Zouelle, c'est le C'est lieu, l'espace, c'est l'espace. voilà. Voilà. Et donc le premier rendez-vous, une reprise ou une recréation, on va dire, du collier d'Hélène. Ah, c'est une recréation, hein, parce que c'est vraiment un autre parti pris, c'est une autre distribution. C'est un autre parti pris. Et je n'avais pas tellement envie, 10 ans après, de remettre les pieds dans les mêmes traces. Et puis, bon, c'est plus motivant, c'est plus stimulant d'aller fouiller. Parce qu'un spectacle n'est jamais complètement. Il y a mille et une façons d'aborder une pièce. Je pense que si dans 10 ans je le reprends, je reprendrai encore autrement. Tu avais vu la première création, Jeanne? Non. Non, érudit? Moi, Peut-être? je joué dans une version, Ah, je ne savais pas, d'accord. la dernière version, l'avant-dernière, la dernière version. Dernière. D'accord, donc nouveau rôle, enfin nouvelle création pour toi aussi, Oui. même si tu étais là. Et Jeanne, donc c'est toi, Hélène. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive à cette Hélène sans tout dévoiler? Oui, parce qu'il ne faut pas tout dévoiler. Hélène, c'est une femme qui a fait un voyage dans un pays en guerre. Ça peut être n'importe lequel, hein, puisque finalement en ce moment il y en a quand même pas mal. Et qui a perdu son collier lors de ce voyage. Et elle a rencontré beaucoup de personnes qui étaient face à des difficultés, les difficultés qu'on connaît dans les pays en guerre, c'est-à-dire une femme qui a perdu son fils. Oui, j'en dis déjà trop. Elle est glissante, ta question. Enfin Mais voilà. un collier qui n'a pas beaucoup de valeur, c'est ça? Bah, si en tout On peut cas, dire? finalement, par rapport au problème de tous ces gens qu'elle va rencontrer, à la douleur de tous ces gens qu'elle va rencontrer, son collier, c'est dérisoire. C'est la pièce, c'est son trajet, c'est ses rencontres, c'est tout ça qui va l'aider à réaliser que c'est dérisoire et qu'il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Ces voyages initiatiques, c'est un peu cette évolution qui t'avait plu En même temps, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que son collier est dérisoire, mais en même temps, j'ai trouvé la force de l'auteur Carole Fréchette, qui est l'auteur de ce texte, c'était justement de montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Et qu'elle, dans ce moment T qu'elle vit, elle a une vraie souffrance. Après, c'est vrai qu'on peut se demander, ce collier perdu, il représente quoi? Qu'est-ce qu'elle a perdu en fait? Elle court après un collier, mais elle court après quoi? Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis aussi parce que dans notre époque, ce pays de guerre, d'après-guerre, aujourd'hui on est quand même dans un contexte géopolitique assez particulier. Et j'ai envie de faire entendre les propos de l'auteur, hein, Carole Fréchette, qui était dans un congrès d'écrivains et qui a vu une femme, alors qu'il visitait un camp de Palestine, de Palestiniens. Il y a une femme qui s'est précipitée vers elle et qui lui a dit c'est plus possible, on va imploser, mais allez-vous le dire. Et ça a été son élément déclencheur. Et effectivement, elle avait perdu un petit collier. Donc, avec ses talents d'auteur, elle a fait un amalgame avec tout ça. Et elle nous a donné le collier d'Hélène. Il y a différents personnages qui arrivent. Oui, alors il y a plusieurs rôles et donc Rudy, c'est quand même, ton rôle est quand même particulier, comment on pourrait dire, au niveau du texte, même du personnage. Ça t'a plu dès la première fois, vu que tu as fait les créations d'avant, de proposer un personnage comme ça? Oui, c'est que la dernière fois, j'ai eu un rôle supplémentaire, le rôle notamment du taximan, qui Ouais. est un peu le guide, le mentor de Hélène. Et
Oui, ça me plaît parce que déjà c'est plusieurs personnages à jouer, qui est toujours assez tentant pour un comédien, et en plus pour raconter ce type d'histoire, de dire que ce qui est important pour les uns est absolument dérisoire pour les autres, et que malheureusement les cadavres n'ont pas le même prix partout. C'est un peu cette manière de dire on ne peut plus vivre comme ça. Ce qui est le leitmotiv, c'est le leitmotiv de la pièce, l'élément déclencheur de Carole Fréchette. Mon élément déclencheur qui m'a donné aussi envie, parce qu'elle a fait un texte magnifique, mais il lui faut des artistes, des comédiens, des interprètes pour pouvoir donner sa parole. Et donc j'avais envie de, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe de par le monde, de pouvoir dire on ne peut plus vivre comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile, Jeanne, à faire, à monter C'est ce pas personnage-là. évident, c'est pas évident, c'est pas un rôle évident, c'est pas un texte évident. C'est sûr qu'il y a un message à faire passer à travers ce texte. Moi, j'ai envie qu'il passe, c'est sûr, j'ai envie que les gens l'entendent. C'est vrai que c'est pas un texte facile, mais c'est un super voyage. En tout cas, moi, je sais que à la première lecture du texte, je suis rentrée dans un enthousiasme extraordinaire et j'en suis pas sortie, loin de là. J'ai hâte maintenant de le présenter, de le montrer. Ouais, franchement, c'est un beau projet. Et Lucette, tu m'as dit l'autre fois, mais non, il y a pas assez de gens qui l'ont vu, faut que je le refasse. Oui, mais c'est ça, c'est vrai qu'on peut le reprendre parce que ça a été très peu joué en Martinique. Hein, si on a fait 3 fois, on n'a pas fait 4 fois. Et puis, on a surtout joué 1 mois à Avignon. On a joué aussi au Luberon. Nuit d'été, non, c'est pas Les ça. nuits d'été Nuit vers d'été du Luberon. bureau. Donc voilà, c'est un texte qui est fort, qui est d'actualité maintenant. C'est intéressant. Et puis, c'est vrai que l'équipe aussi était vraiment très intéressante de travailler. Bon, les uns et les autres pourront le voir. Je trouve qu'il y a une belle homogénéité sur le plateau, un bel équilibre. J'ai eu un vrai plaisir de découvrir Jeanne, que j'avais déjà vue dans des spectacles. Il y a des spectacles souvent avec Jean Dira. Et là, bon, ben, je l'ai vu prendre au fur et à mesure ses marques dans la pièce, évoluer, puis prendre la maîtrise. Et ça, c'est un vrai plaisir quand on met en scène, ou même la direction d'acteur, quand tu as du répondant. Ça, c'est vraiment c'est du pain doux. Bon. Et je me suis vraiment régalée. Et Rudy, bon, ça fait un moment qu'on chemine ensemble. Et je trouve qu'il y a un très bel équilibre. Et c'est vrai que je souhaiterais, pour ce spectacle, essayer de le mener le plus loin possible. Là, on le fait dans notre espace de proximité, mais on espère bien pouvoir le tourner en Caraïbes, en Martinique. Et donc là, on va s'activer pour cela. Alors, on voulait vraiment avoir une série de spectacles mis en boîte pour cette année, pour vraiment s'occuper de la diffusion. Essayer de mettre des outils de diffusion en place, mais on a vraiment cherché à prioriser la qualité d'un spectacle qu'on peut proposer. Je pense que là, je pense qu'on est au rendez-vous, vraiment. Mais c'est vrai que bon, Oui, c'est une bonne occasion dans ta petite salle, mais dans le sens pas petite péjoratif, mais petite intime, de découvrir ce texte-là et cette mise en scène. Il y a une proximité, il y a quelque ouais. chose d'agréable par rapport aux autres salles qu'on connaît. Ben, c'est bien aussi les autres salles, tu vois, Oui, tout. parce que c'est bien de pouvoir faire. C'est vrai que c'est pour de pouvoir faire les deux. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est intéressant ici, c'est que ça t'oblige. La salle étant petite, en plus les moyens étant petits, ça t'oblige à être ingénieux et à trouver bon comment faire, comment tu peux t'organiser dans cet espace. Et en fait, une fois dedans, on se rend compte que c'est pas si petit que ça, parce que ça fonctionne. Parce que tu es amené à penser, à réfléchir ben, ton travail, ta mise en scène en fonction de l'espace qui t'est donné. Et l'avantage ensuite, c'est que quand tu l'as joué ici, tu peux le jouer partout après. Parce que tu peux l'adapter, tu peux. Voilà. Là, on l'a joué, et puis on l'a joué dans vraiment l'optique de se dire qu'on puisse le tourner partout, même dans des espaces qui ne soient pas des espaces de théâtre. Donc Bon. là. Bien sûr, on va avoir des lumières. C'est Dominique Guédon qui assure la création lumière.
Mais si on se retrouve dans un lieu où on n'a pas forcément la possibilité de mettre les lumières, le spectacle tiendra la route parce qu'il est vraiment appuyé sur le jeu des acteurs. D'accord. Donc jeudi et vendredi. Jeudi 14 et vendredi 15 à 20h. Nous vous attendons. Alors attention. Oui, les réservations. Vas-y. C'est un petit théâtre de 47 places. Lorsque je rencontre des gens qui me disent « Ouais, ouais, je viendrai. Ah oui, je viendrai. » Mais j'ai encore rien vu de concret. Et quand les gens vont se décider, il n'y aura peut-être pas de place. D'accord, donc on met le téléphone. Alors, on va mettre en ligne sur, puisqu'on ça a très bien marché pendant le festival, Wiz Event. Ah, la billetterie, d'accord. Ouais, une billetterie en ligne, comme ça les gens n'ont pas à se déplacer, ils peuvent le prendre en ligne. Super. Sachant que là, il y a déjà des réservations, déjà qui sont. Donc ça monte très très vite. D'accord, on partage avec la vidéo. Ça va aller. Voilà, super. Donc, ne tardez pas, Wiz Event, sur la page Facebook, notre administratrice va mettre toutes les coordonnées pour pouvoir aller sur le lien de billetterie. Très bien, eh ben, bonne fin de création. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.